avec des intervenants professionnels qui exercent ces métiers dans des entreprises locales, de faire le point sur quels sont ces métiers, comment ça fonctionne et puis comment on fait aussi pour y arriver. Donc aujourd'hui, on a fait une première intervention tout à l'heure sur les métiers de codeur-développeur. On va s'intéresser à un deuxième type de métier, qui sont les métiers du coup du support informatique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je vais remercier nos trois intervenants qui ont eu la gentillesse de prendre un peu du temps pour vous parler de ces métiers. Ils exercent tous les trois dans des entreprises locales, des entreprises de la Drôme, donc Isiact et Ipegard pour être plus précis. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous demander de vous présenter. Donc peut-être que Fred, tu peux débuter. Ouais, vous pouvez faire comme ça. Merci. Donc oui, je m'appelle Fred, je travaille donc dans la société Ipegard depuis peu de temps. Je supervise la partie support et toute l'équipe technique. Donc le support, je le vois plus, moi aussi comme un ensemble de tâches diverses et variées, mais dont Rémi parlera un petit peu mieux que moi, parce que lui, il est plus dans la partie opérationnelle. Mais voilà, bon, quelques mots, parce que sinon je vais être bavard, donc je vais laisser la place au suivant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, moi effectivement, je viens de Isiact, hein. L'avantage, c'est que je suis à l'étage du dessous. C'est assez pratique. Moi, je suis donc responsable, hein, de la cellule système d'information et donc indirectement responsable du support, que ce soit au niveau de l'infogérance ou de la cellule ERP. Toujours le micro. Merci. Ah oui, t'as Bonjour, trouvé ça. donc moi c'est Rémi, je travaille chez Ipegard depuis bientôt 3 ans avec mon responsable ici présent, Fred. Donc je suis plus effectivement au cœur même du sujet donc support informatique, puisque je reçois avec mes collègues, hein, mon équipe du support. Donc on a des appels, on a des tickets incidents au jour le jour. On va rentrer effectivement dans le détail du métier. Peut-être juste avant, Guillaume, tu nous as parlé d'ERP. Est-ce que tu peux juste nous dire l'acronyme ERP, ce que ça signifie? Oui, tout à fait. Alors, sans parler d'acronyme, on va faire plus simple que ça. C'est que l'ERP, ce sont des logiciels en fait, hein, de gestion d'entreprise. Hein. Avec un ERP, vous allez pouvoir gérer les devis, les commandes, les factures de vos entreprises. Vous allez pouvoir gérer d'autre part la production, la logistique, les ordres de fabrication. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment la vie d'entreprise de A à Z et la compta. OK. Ensuite, là-dessus, effectivement, il y a du support. Parce que quand on a un projet ERP, qui est un projet à long terme, hein, un projet ERP, souvent, ça dure 8 mois, voire 1 an. Et ben derrière, il faut du support. Il faut pouvoir aider en fait les clients. Hein. Il faut pouvoir aider les clients parce que qui dit informatique dit relations humaines. Et ces relations humaines, elles sont indispensables quand on est dans un projet informatique. Hein. Ce qui est très important, et je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus, c'est que non, le stéréotype de l'informaticien, là, il n'existe plus. D'accord. C'est vraiment très très important de se dire qu'il y a de l'humain. Il y a énormément d'humains et c'est pour ça qu'on vous accompagne après vos projets et c'est pour ça qu'on vous supporte Et qu'est-ce et qu'on vous aide. que Guillaume, qu'est-ce que ou Guillaume Rémy, qu'est-ce que vous avez finalement à dire pour vous aux personnes qui pensent que les métiers du support, c'est pour les geeks? Donc les gens qui sont férus de technologie, qui aiment passer toute leur journée devant l'ordinateur tout seul, est-ce que le métier de support, d'après vous, serait fait pour eux ou pas forcément? Rémi, peut-être? Non, Je te laisse commencer. je dirais non, je dirais pas forcément. Je dirais à partir du moment effectivement où on est pas passionné, mais on est intéressé par la chose, il n'y a pas besoin d'être geek, comme on dit, même si je dirais que ce mot est faussement rattaché à l'informatique. Le métier de support, c'est pas forcément attaché D'accord. à quelqu'un de féru. Ok. Et toi, Fred, qui gères aussi des équipes du coup support chez Ipegard, pour toi, est-ce que le métier du support, ça consiste à être un pompier? Quand ça ne marche pas, on vient éteindre le feu, réparer tout ce qui ne marche pas. Non, parce que le principe même du support, c'est un petit peu comme un médecin. Le principe, pardon, merci. Le principe du médecin, c'est d'éviter que les gens soient malades. Le principe du support, c'est de travailler sur des process pour qu'il y ait le moins de soucis possible.
et que l'on soit une aide sur les points ou très particuliers ou les choses très diverses, parce que voilà, tous ceux qui font du support ou même tous ceux qui touchent à l'informatique, même chez eux, s'aperçoivent vite qu'il n'y a pas un problème et une solution, mais soit un problème plein de solutions. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous êtes dans l'anticipation plus que dans la réaction, c'est ça? C'est ce qu'on devrait essayer de faire tout le temps. L'objectif du support, c'est de travailler justement pour limiter les problèmes. OK. Rémi, peut-être que tu peux, toi qui es technicien, donc qui intervient directement auprès des usagers, donc des utilisateurs, quand il y a urgence, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Vous intervenez à n'importe quelle heure, n'importe quel jour? Comment ça fonctionne très concrètement? Alors oui, en particulier non. Enfin, ça dépend. Mais chez nous, effectivement, on a un système de support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on a une astreinte. Mais on a quand même des horaires de bureau pour le reste des équipes. Mais il faut de façon à assurer un support, comme on dit, donc pour l'hébergement ou quel qu'il soit pour le client, tout dépend de sa demande. Il faut être capable de réagir rapidement et efficacement. D'accord. Je profite effectivement pour vous dire aussi également aux personnes qui nous suivent sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je ferai le porte-voix de ces questions à nos trois intervenants qui seront ravis d'y répondre. Si je me mets dans la peau finalement d'une personne qui voudrait peut-être exercer ces métiers, je commence à avoir quelques idées de effectivement il y a du contact quand même, on doit répondre au téléphone, on doit anticiper, mettre en place des process, donc je vois à peu près les qualités. Mais est-ce que d'après vous il y a des formations en fait qui sont vraiment prévues pour exercer ces métiers ou on a plusieurs voies possibles pour y arriver? Guillaume, alors, peut-être? Je vais démarrer effectivement avec ça. Il y a des formations, bien évidemment, qui existent. Hein. Moi, pour être ingénieur informatique, il y a certaines personnes, effectivement, qui font des formations pour faire du helpdesk, hein, ce qu'on appelle donc le support informatique. C'est une formation qui existe et qui est potentiellement même payée par l'État. Hein. C'est de l'alternance, donc payée par une entreprise. Et il ne faut pas hésiter à se lancer dedans, en fait. Ce qui est vraiment très important sur cette formation-là, c'est d'avoir cette faculté à progresser humainement. Le côté technique, jamais une entreprise ne vous forcera à être un expert technique quand vous faites du support. Ce qui est très important, c'est d'avoir ce côté humain et de pouvoir dialoguer. Ça, pour le coup, on peut former les gens là-dessus, mais oui, il existe les formations, bien évidemment. Ok, merci là-dessus. Est-ce que vous, Fred et Rémi, vous avez d'autres avis? Par exemple, Rémi, toi, t'as eu quel parcours? T'as fait quelle formation pour être dans le support? Alors moi, personnellement, j'ai suivi donc une formation informatique à partir du bac. Donc un bac micro-informatique suivi d'un bac spécialisé dans l'architecture réseau. Comme ça m'a bien botté, ouais. D'accord. Et pour moi, par contre, la base de l'informatique, quel que soit le domaine dans lequel on va se spécialiser, c'est impératif de savoir faire, de passer par un support. Parce que le support reçoit vraiment tout l'éventail de possibilités et de problématiques qu'il pourrait y avoir. Donc pour moi, c'est pas une obligation. C'est un point de passage, c'est formateur, quoi. C'est ça que tu veux. La meilleure école, effectivement, pour l'informatique, c'est un support. D'accord. Au-delà de l'école. Et toi, Fred, tu me disais en aparté au début que tu avais des profils qui étaient différents aussi sur des métiers de support, toi qui gères un peu des équipes de support. Alors, il y a un petit peu tous les profils, oui, dans le support. Donc, on citait un exemple que l'on a, nous, dans la société, d'une personne qui n'avait aucune formation informatique, mais qui avait une vraie envie de se plonger là-dedans, qui était passionné, et au point qu'on a accepté, fait le pari de l'embaucher en disant on va avancer ensemble. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de valeur et qui est très compétent sur à peu près tous les aspects du support. Donc c'est vraiment ce que dit Rémi, quoi. Le support, c'est une vraie, vraie belle école pour avancer vers tous les points. Pardon. Ok. Donc maintenant qu'on voit à peu près les métiers du support, les périmètres d'action, donc les logiciels, l'assistance utilisateur, est-ce que vous seriez capable, collectivement évidemment, de me donner trois qualités un petit peu pour quelqu'un qui a envie de travailler dans du support informatique? Trois qualités essentielles qui vous paraissent essentielles. Guillaume, peut-être? Oui, mais je vais commencer là-dessus, effectivement.
La première, hein, c'est ce que je disais, c'est la relation humaine. Quand on est au support, il faut des fois répondre au téléphone. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut répondre à des mails. Non, quand je dis ça, c'est répondre au téléphone est obligatoire, d'accord, mais des fois non. Donc il faut répondre au ticket. Il faut avoir une relation client, en fait, une relation humaine qui est vraiment très importante. Il faut avoir, deuxième qualité, la compréhension fonctionnelle. C'est-à-dire que là, on se détache un petit peu du technique, à proprement parler. On n'est pas obligé d'être un pro de certains langages informatiques, pas du tout. L'important, c'est de comprendre fonctionnellement de quoi a besoin le client et pourquoi il a un souci. Et à partir de là, la troisième qualité pour moi, c'est de communiquer avec les autres personnes en interne. Ça veut dire que quelqu'un qui est au support, ça peut arriver, des fois, il a un souci qu'il n'arrive pas à régler, hein, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Et il va transmettre ça aux autres équipes qui, eux, vont gérer le problème. Donc ça, la communication en interne est très importante. Donc pour résumer, c'est vraiment communication externe et interne. Pour moi, c'est les deux points très, très importants. Donc là, tu as introduit, du coup, tu nous as parlé de support niveau 1, support niveau 2. Oui. C'est quoi la différence entre les deux métiers ? Entre Alors, les deux, est-ce que je vous passe la main, messieurs ? Oui, je peux répondre. Oui. En soi, il y aurait un support niveau 1, niveau 2 ou 3 ou plus, suivant la spécialité des équipes. De toute façon, le support niveau 1, si je puis dire, lui va dégrossir. Il a un peu le côté de première analyse, dégrossissement, déjà rassurer le client en fonction de l'incident qui lui arrive. De là faire une première ébauche, prendre les bonnes informations. C'est très important si l'incident doit être relayé. Donc avec ça, donc s'il peut dépanner dans un premier lieu, super. Sinon, il va orienter. Donc si c'est un problème de sécurité, si c'est un problème d'administration donc de serveur, donc si c'est le système lui-même, ou si c'est la partie réseau, ou si c'est la partie logicielle uniquement. Il va vraiment prendre les bonnes infos et ça permettra d'aiguiller et de corriger donc bien plus rapidement et surtout de partir dans la bonne direction. Et oui, du coup, le niveau 2, va recevoir cette problématique. Et en fonction de sa compétence, il sera plus à même de pouvoir corriger. Il va intervenir dans un second temps, quoi. C'est pas lui qui va intervenir au départ, quoi. Voilà, ça sera pas lui de faire le travail de dégrossissage. Il aura, on a la plupart du temps au niveau des administrateurs système. D'accord. Et système et réseau, c'est le profil le plus courant. Ok. Fred, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter en deux mots, mais sur les trois qualités pour moi, qui sont, ce qu'a bien dit Guillaume aussi, mais qui sont donc la relation humaine, la communication, et la troisième, c'est la curiosité, qui est le seul vrai mode pour pouvoir avancer. C'est celui qui explique pourquoi il n'y a pas de formation obligatoire pour du support, mais ça va être, on apprend un peu sur le tas, et on apprend justement dans ces histoires d'équipe entre le niveau 1, donc le niveau 1 qui prend les appels, pour simplifier, qui cherche, il ne trouve pas vite, on essaie d'aller vers le niveau 2, qui va, quand on arrive à fonctionner correctement, aider justement le niveau 1 à monter en compétence, de manière à ce que le niveau 1 ait moins besoin du niveau 2, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Je comprends. Donc la curiosité, je trouve que ce mot, il est intéressant, et il nous éloigne un peu des a priori qu'on peut avoir sur le métier du support. Il faut être super technique, c'est de l'informatique, il faut maîtriser le code, et en fait, on voit relation humaine, curiosité... Travailler en équipe, c'est finalement des qualités qui sont bien différentes de ce qu'on peut imaginer de prime abord, je trouve. Donc c'est intéressant. Je vous remercie pour votre réponse. Pour moi, la volonté. À partir du moment où on est volontaire, on peut accéder à plein de choses. Ouais, tout à fait, c'est ça. Une personne qui est au support, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment du support. Hein. C'est pas forcément du support externe à 100%. C'est vraiment du support aussi interne. C'est qu'on est là pour supporter. Supporter avec beaucoup de guillemets, parce qu'on peut jouer avec les mots français. Hein, mais on est là pour aider. En fait, le support, c'est de l'aide. On est là pour aider l'externe, on est là pour aider l'interne. On est là pour aider tout le monde. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un technicien averti pour faire ça. L'important, c'est l'humain, encore une fois.
Ok, maintenant j'aimerais voir pour vous une bonne journée quand vous travaillez en support ou avec des équipes support. Est-ce que vous pourriez me la décrire en quelques étapes? C'est quoi une bonne journée quand vous travaillez en support, qu'on puisse se rendre compte en fait du quotidien du métier? Peut-être Rémi? Une bonne journée en support? Oh, ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est déjà positif. Parce que si tu me dis que ça n'existe pas, tu vois. Alors, on n'oublie pas le concept du support qui est de recevoir donc, les plaintes, ni les doléances, mais les problématiques. Donc, c'est vrai qu'ils n'appellent pas pour demander comment ça va, ni dire qu'ils sont super contents. Mais voilà, à partir du moment où on s'est écouté, une bonne journée, c'est déjà si on arrive à résoudre un incident qui traîne depuis, ou un problème, qui traîne depuis un bon moment, le solder, c'est une super journée. Quand quelqu'un a enfin trouvé cette solution, c'est une bonne journée. Une bonne journée, c'est aussi quelqu'un qui, j'en ai eu pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qui m'a dit « vous m'avez sauvé la vie ». Donc j'ai dit j'arrête de travailler. Mais au final, vous êtes des pompiers, quoi. Je reviens à ce que je disais au début. Voilà, vous sauvez des vies, vous rassurez les gens. Franchement, pour certaines personnes, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc si on arrive à les aider rapidement, déjà les aider, c'est une bonne journée. S'ils sont contents, c'est une très bonne journée. Bon, je vais rejoindre. Oui, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Je vais faire très, très rapide. En fait, ce qui est très important, et ça, c'est vraiment une grosse qualité de ce métier, quelque chose qui est hyper, pour moi, intéressant, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va avoir de la reconnaissance des clients, donc vraiment externe, et on va avoir de la reconnaissance aussi de l'interne. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont nous dire merci toute la journée. Quand on fait bien son travail, bien évidemment. Voilà. Mais ça arrive, j'en suis témoin, hein. J'ai vraiment des gens qui disent merci tout le temps à mes équipes techniques. Et ça franchement, c'est très important. Et c'est une qualité du métier, une force de ce métier qu'il faut avoir. OK, on a une... Si tu veux rajouter quelque chose, Fred ? Ouais. Juste une question très pratique pour des personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ces métiers. Est-ce que ça recrute ? Alors, sur quelle partie ? Parce que le support peut être très vaste, en fait, hein, que ce soit l'ERP, que ce soit la CRM, que ce soit l'infogérance. Oui, ça je peux vous le dire, ce sont des métiers qui recrutent, tout à fait. Alors, sans être pessimiste, c'est que l'avantage du Covid, désolé d'en parler, l'avantage du Covid, en fait, a permis à l'informatique aussi de se développer drastiquement. Avec le télétravail, donc indéniablement avec de la mise en place de postes informatiques, hein, des PC portables, toutes ces choses-là. Donc oui, de l'infogérance et donc de la maintenance informatique. Donc oui, c'est un poste qui est très porteur. Fred, si tu veux rajouter quelque chose sur la partie recrutement ou peut-être autre chose ? Sur la partie recrutement, alors on revient un petit peu sur, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la partie communication. Et compagnie, pardon, j'ai pas bien l'habitude du micro. Mais donc, quand on vous dit on est attentif aux relations humaines, nous, typiquement, pour notre partie, mais on regarde de temps en temps, on voit passer des gens qui sont à la recherche d'emploi et qui ont un vrai plus humain. Et c'est ce qui va être aussi des fois un facteur d'embauche pour nous. C'est-à-dire qu'on est dans une petite ville, quand même, sur Valence, c'est un petit bassin d'emploi. Et donc, il n'y a pas des millions de personnes à la fois qui peuvent trouver du boulot, mais aussi qui en cherchent. Et donc, c'est ça aussi. Le recrutement peut être aussi un recrutement parce qu'on rencontre quelqu'un de valeur potentiellement. Parce que la technique s'apprend, comme disait Guillaume, la relation humaine, pas beaucoup. Et du coup, quand ça se présente comme ça, ça peut se faire sous la manière d'un stage, d'un apprentissage, ou c'est forcément un recrutement en bonne et due forme? Le dernier, nous, ça a été un recrutement en une semaine. D'accord. On a quelqu'un au téléphone qu'on connaissait un tout petit peu parce qu'il a bossé dans une société que moi je connaissais. On avait des bons échos. On fait un Skype avec lui, enfin, ou un Teams, peu importe. Et puis on lui dit t'es dispo quand? Demain, bien après-demain, parce qu'il faut qu'on s'installe. Et voilà, ça peut être ça aussi, quoi. Très bien. Guillaume, si tu as quelque chose à rajouter. Très rapidement, nous, effectivement, on a recruté il n'y a pas longtemps.
une personne qui travaille justement à l'infogérance, hein, donc qui travaille au support et qui a fait une intervention très rapidement au bout d'une semaine. Par contre, oui, nous, on prend aussi des alternants, parce qu'il est important d'avoir des étudiants, des stagiaires, de leur apprendre le métier, parce que le fait de travailler en fait au support, il faut quand même être formé, si vous voulez, il faut être formé à l'outil, hein, que vous allez supporter. Et il faut être formé aussi à cette fameuse relation client dont on vous parle, hein, tous les trois depuis tout à l'heure. Donc oui, il y a des postes qui sont ouverts, soit directement sur quelqu'un qui travaille, ce qu'on appelle au help desk, hein, donc au support, depuis quelques années. Et puis la possibilité, indéniablement, de travailler en télétravail, ce que nous, on a mis en place, hein, avec nos étudiants, ce qu'on a mis en place, nous, en interne aussi. Et de pouvoir faire du support en fait bah, de chez soi. C'est-à-dire qu'on prend son ordinateur, on l'allume et voilà. On fait notre support. C'est très important et la plupart des entreprises du bassin valentinois veulent le mettre en place, hein, vraiment. Très bien. Oui, j'avais juste une question du coup sur les profils des personnes. Donc là, on a vu qu'il y avait la possibilité en alternance, la possibilité en stage. Mais nous, il y a une question qu'on voit souvent apparaître dans les métiers du numérique, c'est la mixité. Aujourd'hui, est-ce que dans les métiers du support, vous tendez vers une certaine mixité ou ça reste encore majoritairement masculin ? Alors, je me permets de prendre juste la parole là-dessus. Concernant la partie donc ERP dont on a parlé tout à l'heure, 50-50. Pour l'autre partie, la partie infogérance, nous sommes à l'heure actuelle, en tout cas chez Isiac, à 100% sur du masculin. Mais il y a des profils féminins, bien évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout qu'on voit, on se rend compte, hein, dans l'informatique, que de plus en plus de femmes arrivent. Voilà. D'accord. Et surtout, elles sont super fortes. Oui. Il faut les garder. Il faut les garder, absolument. Il faut les recruter et les fidéliser. Mais oui. Et les fidéliser, oui. C'est ça ? Mais prenez les filles, mais bien évidemment. Eh oui. Fred, pour IPGuard, du coup, si tu veux rajouter un mot. C'est ouais. Juste pour rajouter, mais petite anecdote, mais qui n'est pas drôle pour autant, mais c'est vrai que nous, dans l'équipe support, dans laquelle il y a 5 personnes aujourd'hui, on a une fille, et c'est monstrueux, en fait, de voir comment sont encore les gens, parce qu'assez souvent, elle prend des appels, maintenant, nos clients s'y habituent. Au début, elle prenait de l'appel, les gens appellent le support, elle répondait, on lui disait, je peux avoir quelqu'un du support. Il y a encore une marche à franchir pour le monde du travail par rapport aux femmes. C'est assez monstrueux, j'avoue que... Voilà. C'est sûr que les habitudes ont la vie dure. Oui, je rejoins, oui, effectivement. Nous, la personne, effectivement, que nous avons au support, elle a cette qualité, en fait, de pouvoir recadrer, même si c'est certains mecs, hein, pour être un peu plus direct, certains mecs qui sont pénibles, elle a la force de les recadrer. Et ça, franchement, c'est admirable. Il faut qu'elle continue de le faire. Et de toute façon, ce n'est pas lié que à l'informatique, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas le support informatique, ça c'est pareil partout. Donc cette femme-là qu'on a chez nous, chez Isiac, elle ne se laisse pas faire, elle a bien raison. Il faut qu'elle continue de faire ça. Voilà. Si elle m'entend, et je suis persuadé qu'elle est en train de regarder, qu'elle continue. D'accord. Bon, j'imagine que quand quelqu'un vous rejoint, de toute manière, un homme ou une femme, finalement, vous travaillez en équipe, donc il est intégré dans une équipe. C'est pas le support, ce n'est pas un métier... en solo, où on est seul face à son téléphone toute la journée. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose, un travail d'équipe, vous confirmez ? Totalement. Mm-hmm. Tout seul, à mon sens, dans un support, on n'avance pas. Il n'y a que l'équipe qui pourra tirer vraiment la personne vers le haut, donc lui apporter des nouvelles compétences sur d'autres terrains. Donc, à partir du moment où il y a une bonne équipe, pour moi, il y a un bon support. D'accord. Pas d'autres questions, je vais peut-être vous demander une dernière chose, allez, pour conclure. Déjà, je vous remercie pour vos interventions et du coup, les messages que vous nous avez fait passer, hein, je pense notamment aux qualités, la curiosité, à des métiers qui sont mixtes et à travailler en équipe. Quand on fait du support, on n'est pas seul, on n'est pas isolé à devoir répondre à des clients. Donc ça, je pense que c'est super intéressant pour se motiver là-dessus. Pour conclure, je vais vous demander, si l'un d'entre vous veut se lancer, de nous raconter une bonne blague de support informatique. Pour vous, est-ce que quelqu'un a une petite blague de support informatique à nous donner et souhaite la livrer à aux personnes qui nous suivent sur Facebook ?
pas de... Juste une, Guillaume. Spécialement. J'en ai une. Allez. Oui, j'en ai toujours. Alors, au support, voilà, il faut dire que de temps en temps, vous avez des clients qui vous appellent, hein, pas très... des fois pas très compliqués, vous allez leur demander d'ouvrir une fenêtre. Il faut faire attention à la fenêtre, hein. Très important. Voilà. Ok. Classique, mais efficace, effectivement. Je te remercie, Guillaume. Je te remercie. Je remercie donc Fred, Guillaume et Rémi, donc des sociétés Isiaq et Payguard, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Et du coup, les personnes qui nous suivent sur Facebook, eh ben, on vous donne rendez-vous demain, 14h, pour la suite de cette semaine du numérique avec d'autres métiers, puisqu'on va parler de communication digitale demain. Donc les métiers de la communication digitale et du community management dans un premier temps. Donc là-dessus, et à 15h30, donc 14h communication digitale. Et à 15h30, nous allons parler des métiers de la fibre, qui sont aussi en plein boom, en pleine expansion actuellement. Un grand merci à vous, à bientôt. Un plaisir, merci. Bye. Merci à vous.